Le pays Cajun, au sud de la Louisiane, est principalement habité par les descendants de colons français qui ont été expulsés d'Acadie. Sillonner le sud de la Louisiane, c'est s'immerger au cœur du pays Cajun, un territoire vraiment particulier, où l'on rencontre encore des anciens qui parlent un vieux français matiné de créole. La culture Cajun, pour mieux la comprendre, il faut vraiment en fait profiter des week-ends où les gens font la fête dans les bars, dans les théâtres. Donc la musique Cajun résonne, les accordéons, les violons, c'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte de l'importance de cette culture qui n'est pas prête encore à disparaître. Et on s'en rend également compte en dégustant les plats Cajun classiques, notamment ces fameux plats d'écrevisses, bouillis ou encore ces crevettes frites. Quand on pense Louisiane, on pense souvent bayou. Les bayous sont ces marécages qu'on trouve dans le sud de l'État. Tout un réseau hyper impressionnant de cours d'eau, sinueux, tortueux, une faune et une flore très riches. Ce qui frappe l'esprit en les sillonnant, c'est donc ces énormes cyprès où la mousse espagnole dégouline. Une végétation évidemment dense aussi, des fleurs de lotus partout et une faune qui ne laisse évidemment pas insensible. On pense aux alligators qui en ont fait leur territoire, aux hérons, aux cormorants, aux tortues, aux canards, aux aigles pêcheurs. La visite en bateau des bayous est indispensable lors d'un voyage en Louisiane, surtout quand elle est assurée par des chasseurs d'alligators qui vous promènent et qui vous racontent dans un français cajun assez particulier leurs anecdotes. Michelin, une meilleure façon d'avancer.